Proposer aux patients des interventions toujours moins lourdes et moins invasives, malgré leur grande complexité, c'est le défi que permet de relever le nouveau Gamma Knife qui vient d'être mis en service au CHU de Lille. Le Gamma Knife est un outil de radiochirurgie, c'est-à-dire d'irradiation en une seule séance, prévu pour des pathologies diverses, le plus souvent bénignes d'ailleurs, des tumeurs de petit volume ou des malformations artérieuses qui peuvent être traitées donc sans ouvrir le crâne du patient. Développé depuis 2004 au CHU de Lille avec 7500 patients pris en charge à ce jour, la radiochirurgie stéréotaxique prend ainsi un nouvel essor. Les objectifs sont de pouvoir traiter plus facilement des patients qui pourraient notamment avoir des lésions multiples, comme des métastases multiples par exemple, ou de nombreuses pathologies bénignes que l'on peut traiter avec ou sans cadre, encore avec cadre dans la grande majorité des cas, mais on peut passer à des traitements sans cadre pour des lésions particulières, notamment certaines métastases qui s'y prêtent bien. La séance commence par la pose d'un cadre de stéréotaxie, qui est un référentiel, un repère que l'on place sous anesthésie locale sur la tête du patient. Avec ce référentiel, avec ce repère, le patient fait son imagerie, qui sera dite stéréotaxique car faite avec ce cadre, qu'il s'agisse d'une IRM, d'un scanner, d'une artériographie pour les patients qui ont une malformation vasculaire. Et avec toutes ces images, nous pouvons cibler la lésion de façon très précise afin de pouvoir faire un traitement le plus sélectif possible. L'innovation technologique apportée par ce nouvel équipement va permettre aux équipes expertes de développer et élargir l'activité de prise en charge des pathologies du cerveau. C'est un équipement qui permet donc de traiter de nombreuses lésions sans anesthésie générale, sans intervention chirurgicale. Et donc c'est particulièrement adapté à des patients notamment qui ne pourraient pas être opérés ou pour lesquels l'intervention est à risque. Par ailleurs, on peut traiter plus facilement des lésions multiples comme certaines pathologies, comme certaines métastases du cerveau.